Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver avec du mini-football. Voilà, je vais vous expliquer comment bien commencer ce petit jeu. C'est un super jeu, voilà. Donc il y a plusieurs façons de bien commencer. Donc je vais vous expliquer dans un instant tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut pas faire. En tout cas, on est parti, on se retrouve maintenant. Les gars, pour bien commencer mini-football, pour ceux qui viennent de commencer, alors il y a plusieurs choses à faire. Tout simplement, vous allez avoir une équipe complètement normale, avec un général très très petit, là, je crois que c'est avec une étoile. Voilà, c'est tous ces petits joueurs bleus là que vous pouvez constater sur votre droite, juste ici. Donc ce qu'il faudra faire les gars, tout simplement, c'est dès que vous pouvez améliorer un maximum de joueurs. Et si vous avez des joueurs violets dans un pack, n'hésitez pas à l'utiliser. Par exemple, je vais vous faire un truc tout bête. On va prendre Tyrone 33 qui est un AT. Hop, si votre joueur, voilà, vous constatez les stats comme vous avez vu, vous appuyez une fois sur votre joueur remplaçant et sur un joueur dans votre équipe type. Voilà, vous regardez un petit peu les stats, vous dites ouais, lui peut être pas mal. Voilà, faites-le. Et si vous commencez comme ça, vous pouvez améliorer votre équipe et avoir un meilleur général pour vraiment gagner un maximum de matchs. Donc la formation reste le 4-4-2. Vous commencez tous comme ça, il n'y a pas d'autre solution. Donc vous faites un maximum de matchs, vous gagnez le premier stade. Voilà, au fur et à mesure vous allez avoir des packs, n'hésitez pas à garder un maximum d'argent pour arriver à 500 pièces d'or. Dès que vous avez une formation, je vous conseille bien évidemment les gars de faire le 4-3-3, juste là. Très important, le 4-3-3 reste très très bon. Donc si vous pouvez vous améliorer un maximum de choses, faites-le. Dès que c'est bon, dès que vous avez fait 4-3-3 et que cette formation vous plaît, restez toujours en 4-3-3. Franchement, c'est là que ça va vous faire progresser. Je vous conseille ensuite, dès que vous avez fait un maximum de matchs, que vous avez un maximum de packs, que vous arrivez au level requis, faites le 4-3-2-1, les gars. Vous faites une bonne formation. Comme ça, vous avez des bons défenseurs. Parce que quand vous avez un 4-3-2-1, vous avez quand même une bonne équipe, vous arrivez déjà pratiquement à 2 étoiles. Voire un tout petit peu plus selon ce que vous faites. Donc le 4-2-3-1, vous vous mettez un joueur assez rapide devant, qui va faire vraiment son taf. Et vous verrez que vous gagnez un maximum de matchs. Ensuite, si vous êtes un joueur plutôt défensif, je vous conseille le. Attendez, je le vois pas, je le vois pas. Un plutôt défensif. Je vous conseille le 3-5-2. Juste après. 3-5-2. Voilà. Faites un maximum de matchs pareil. Puis de toute façon, vous allez avoir un maximum de crédits. Vous allez remporter de très très bons matchs. Et ensuite, voilà moi ce que je vous conseille. Vous jouez après soit le 4-2-1-3. Qui est un côté plutôt défensif. Ou alors, comme moi, un côté super bien. Le côté 4-4-1-1. Voilà, j'espère que c'était super bien. Que vous avez compris un peu les formations, ce qu'il fallait faire. Le 4-4-2, 4-3-3 juste après, faites un maximum de matchs. Ensuite, le 4-3-2-1. Dès que vous avez fait tout ça, que vous êtes resté au même poste, 3-5-2. Le 3-5-2 va vous remporter, je pense, un maximum de matchs. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, je suis passé au 4-4-1-1. Et franchement, c'est une mouclade. J'adore. Donc, si vous êtes en manque de pièces d'or, je vous dis mince, c'est tout. Alors faites un maximum de matchs, vous allez avoir des packs, voilà. En plus vous avez cette chance, c'est que tous les 4-5 jours vous avez un maximum de crédit, d'argent, etc. Vous pouvez avoir des packs super sympas, bon, moi je suis League Silver donc voilà. Et ensuite, faites les pièces gratuites les gars. Franchement vous avez déjà 400, 400 les gars, vous pouvez déjà commencer avec un bon truc. Et ça vous permettra d'améliorer vos joueurs bleus ou violets. Les joueurs orange, enfin les gold là. Enfin c'est plus compliqué à avoir. Donc voilà, il faut avoir un peu de patience et essayer de bien construire tout ça. Ensuite, dès que vous avez fait les pièces d'or, vous avez un maximum, plus vous avez des packs, plus des gemmes. Donc franchement, vous avez déjà 400 crédits, ça vous fait pratiquement un match. Voilà. Vous êtes déjà à one field. Déjà en pratiquement 2-3 jours, vous êtes déjà à one field, les gars. Donc ça vaut vraiment le coup de faire ça, on va dire un peu tous les jours quand vous commencez. Et ensuite,
Faire les prix des buts, absolument. Enfin, vous marquez 20 buts, vous avez quand même des bons trucs, un bon pack, des nouveaux joueurs pour améliorer. Donc voilà. Ensuite, faites ce que vous avez à faire, gagnez un maximum de matchs. Vous verrez que ça va le faire. En tout cas, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que vous ayez compris. Et puis, bah, on se retrouve prochainement sur le mi-football avec un match sympatoche ou sur un autre jeu. Allez, bonne journée, les gars.